auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe AKB2, devenu par la suite Kuna Belly. Alors, venez avec moi, écoutez la merveilleuse histoire de ce groupe légendaire. C'est l'histoire d'un groupe qui a longtemps émerveillé le public. Un groupe qui a longtemps fait danser les mélomanes et qui continue d'ailleurs de le faire. Je vous invite donc à retourner dans le passé avec moi pour découvrir comment cette merveilleuse aventure a commencé. Il était une fois, en 1967, Omar Bongo et Seb à la magistrature suprême. Et Patience Cabani devient la première dame du Gabon. Le 12 mars 1968, Omar Bongo crée le Parti démocratique gabonais, le PDG, pour asseoir sa politique. Patience Cabani, alors première dame, dotée d'un talent artistique exceptionnel, désire appuyer, soutenir l'action politique de son mari. Pour ce faire, elle décide de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire soutenir son mari, tout en donnant libre cours à son talent artistique. C'est ainsi que, le 23 novembre 1968, Patience Cabani crée le groupe AKB2. Allusion directe au quartier où habitaient la plupart des militantes. Quartier, aujourd'hui, devenu Pont d'Akébé. C'est dans la même perspective qu'elle lance l'orchestre Banovita, qui évoluera aux côtés du groupe en l'accompagnant dans cette merveilleuse aventure musicale. Au début, le groupe ne comptait que 70 membres et se contentait d'assurer l'animation politique au cours des grandes manifestations organisées dans le pays. Aussitôt, sorti des fonds baptismaux, le groupe a servi de locomotive puisqu'il a entraîné dans son sillage d'autres rassemblements, d'autres groupes d'animation. L'évolution du groupe a été marquée par le changement de nom. En effet, en 1975, AKB2 change de nom et devient Kuna Belly Bilasuku, un nom plus authentique, venu du terroir et qui rappelle étymologiquement l'aigle du Haut-Ogooué. En changeant de nom, le groupe se dote aussi d'une devise: indivisible, discipline, solidarité. Entendez par là, Kuna Belly, indivisible, Kuna Belly, discipline, Kuna Belly, solidarité. L'animation politique va se développer et d'autres activités vont s'ajouter, telles que les causeries éducatives à la radio. Par exemple, l'émission intitulée « De la discussion jaillit la lumière ». Des activités telles que les visites de maisons des militantes du groupe, ponctuées par quelques actions humanitaires, dont l'aide apportée à 3 militantes victimes d'incendies graves. Et l'aventure se poursuivra de plus belle avec la création de nouveaux répertoires suivant les événements et activités ponctuelles programmées par le PDG. Le groupe, qui ne comptait que 70 membres lors de sa création sous la dénomination AKB2, compte désormais 700 femmes à l'ère de Kuna Belly et jusqu'à 1000 membres lors des grandes manifestations des 11 et 12 mars et du 17 août. Après le changement de nom, on verra progressivement Kuna Belly acquérir des attributs du nom. C'est ainsi que, dans son répertoire, on entendra souvent parler de Kuna Belly Bilasuku, Kuna Belly Haute Tension, Kuna Belly Maison Mère, Kuna Belly Rénové. De tous ces attributs, Bilasuku est certainement le plus significatif, le plus identitaire du groupe Kuna Belly, en ce sens qu'il comporte une forte charge sémantique. Le terme Bilasuku est composé de deux mots, Bila et Masuku ou Asuku en langage expert. Dans le langage altogoréen, Bila veut dire l'aigle et Masuku est la capitale du Haut-Ogooué. C'est le cœur de la province altogoréenne. Masuku est donc utilisé dans son acception générale au sens générique du terme pour désigner toute la province du Haut-Ogooué. En définitive, Bilasuku veut dire l'aigle de Masuku. À propos de l'animation du groupe, notons d'emblée le contexte particulier de cette aventure. C'est-à-dire
qu'à l'époque, Patience Labani, fondatrice du groupe, est en fait, et Joséphine Bongo, première dame du Gabon. Et, à ce titre, il lui est formellement interdit de chanter en public. On pouvait entendre sa voix, l'écouter chanter, dans les enregistrements de Kounadeli et Panovita, mais elle ne pouvait se produire en live avec le groupe Kounadeli. À l'instar de Patience Labani, auteur-compositeur de musique et chorégraphie du groupe, quelques chanteuses se sont succédées au micro de Kounadeli, telles que sa sœur aînée, Emma, connue sous le nom Emma Rose, Goulakia, née Labani. Denise Labani, sœur cadette de Patience Labani, Piti Stella, Nadine Rangelé, Janine Tungi, pour ne citer que celle-ci. Au micro de Kounadeli, en live, jusqu'à présent, l'histoire retient des noms parmi celles qui se sont le plus illustrées. Il s'agit de Piti Stella et Janine Tungi, alias Jadia. On se souviendra de Piti Stella, chanteuse de Kounadeli, lors des prestations en live dans les années 80. Piti Stella, animatrice hors pair, très à l'aise au micro et sur scène, savait tenir le public en haleine, quasiment suspendue à ses lèvres durant les prestations. Janine Tungi, alias Jadia, chanteuse de Kounadeli depuis la fin des années 80. Janine Tungi, animatrice à la voix suave et électrique, danseuse hors pair, qui a fait ses premières armes sous la bannière d'Angela Cédé. Janine Tungi s'est illustrée dans le clip de Kounadeli, La Connaissance, en duo avec Patience Labani, aussi bien en studio d'enregistrement qu'en concert live. La fin des années 80 marque le 20e anniversaire de Kounadeli, célébré en grande pompe par l'organisation de journées culturelles et la sortie d'un opus, l'opus de la maturité, un 33 tours, intitulé spécial 20e anniversaire de Kounadeli Bilasuku, sous la direction du bureau exécutif, composé de Agnès Nwakila, responsable générale, Paulette Kelekissa, première responsable adjointe, Jacqueline Mugebe, deuxième responsable adjointe, Marima Bignat, troisième responsable adjointe, Ambroise Mugari, secrétaire générale, Alexandrine Sissi, première secrétaire, Jeanne Fouefoué, deuxième secrétaire, Alice Doguefouba, trésorière, Romaine Amvoula, trésorière adjointe. Après avoir franchi le cap de la majorité, avec ses 20 ans révolus et sa maturité, Kounadeli poursuit sa merveilleuse aventure et souligne ses 40 ans par la sortie d'un autre opus, l'opus de la connaissance, marqué par la réalisation d'un clip notoire et d'un concert live électrisant. Hier à aujourd'hui, d'AKB2 à Kounadeli, le groupe n'a cessé d'émerveiller le public et de faire danser les mélomanes, mettant toujours en exergue le talent, le génie créateur de sa fondatrice, Patience Labani.